Le CAC 40 s'est repris et gagne encore 0,4% ce midi à Paris. Les valeurs pétrolières et parapétrolières se distinguent. Vallourec gagne encore 6%, Technip plus 5,5%, Total plus 0,4%. Le WTI progresse et se rapproche des 34 dollars le baril. Vivendi gagne 1,2%. Le géant des médias a annoncé qu'il relevait son offre sur Gameloft de 20% à 7,20 € par action. En revanche, les valeurs bancaires pèsent sur la tendance. Crédit Agricole abandonne 0,7% devant Société Générale et BNP Paribas. Et puis Ipsen signe le plus lourd repli sur le SBF 120. Les résultats 2015 sont proches des attentes, mais le bénéfice net et le coupon déçoivent. Et gros plan sur le compartiment automobile avec Peugeot et Renault qui évoluent dans le vert ce midi. Le salon automobile de Genève a ouvert ses portes aujourd'hui à la presse. Et puis après 5,9% de hausse en 2015 et 4,7% en janvier, le marché automobile français reste sur une bonne dynamique en ce début 2016 avec une hausse de 13% du nombre d'immatriculations de véhicules légers neufs. Le groupe Renault avec une progression de 14,9% et PSA avec plus 9,8% ont connu en février une performance commerciale globalement en ligne avec le marché. Fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h pour la clôture.